Voilà, donc nous sommes au jour 3 et puis là il y a eu la participation à peu près de 12 enfants répartis en créneaux de une demi-heure avec 4 ou 5 enfants à chaque fois. Donc ils avaient la responsabilité d'une bille, d'un personnage, ils choisissaient les couleurs qu'ils voulaient et puis on adaptait au fur et à mesure. Donc j'ai eu des élèves très 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 studieux puisque pratiquement aucun n'a dépassé, ce qui va me permettre moi de retravailler à partir de demain pour les finitions. Donc par exemple voilà j'ai apporté un peu plus de finition sur la bille bleue. Demain j'aurai les deux personnages ici à fignoler un petit peu. Celui du toboggan il faudra le finir avec un autre groupe. On a travaillé aussi sur cette bille-là. Et puis les cochons commencent à prendre des couleurs. Il y en a un voilà, qui est peinturluré en rose clair, l'autre en rose un peu plus foncé. Et puis les chiffres. Voilà, donc l'étape suivante, ce sera de fignoler, d'apporter les lignes autour, quelques ombres, quelques suggestions pour avoir une harmonie globale. Petit à petit.